T'es-tu déjà demandé comment d'une seule graine pouvait naître un arbre gigantesque, une magnifique fleur ou plusieurs épis de maïs? C'est la question qui reste permanente dans mon esprit lorsque je regarde mon petit jardin. Je me sens honorée d'être l'artisan de tout ça, mais au même moment, un sentiment d'humilité m'envahit. Je n'ai pas créé ces graines, je les ai simplement utilisées. Oui, j'ai été un bon steward en les mettant en terre et en prenant soin des jeunes plantules, mais la magie derrière ne m'appartient pas. Les actes que nous posons au quotidien sont comme ces graines. Elles germeront et donneront lieu à des choses magnifiques ou au contraire destructrices. Une petite sœur me dit récemment que ne rien faire, c'est être complice. Ne rien faire, c'est accepter que la situation ne puisse changer. Et à mon tour, je te demande, qu'en penses-tu? Si je m'en tiens à cette expérience, une seule graine suffit. Une seule action suffit pour commencer et pense que ce n'est qu'un début. Ne méprise pas les petites actions car le changement d'une situation est la somme de plusieurs de ces petites actions. J'espère que ces images t'apportent une certaine paix et un terrain propice à la réflexion. J'ai changé le format de ces tours du potager pour que justement tu puisses avoir la même paix que j'ai lorsque je me balade dans les allées de ce jardin. J'espère que j'y réussirai. Mettre une graine en terre, appeler quelqu'un à qui on ne parle plus, commencer effectivement à lire ce livre, se servir les justes portions de nourriture et manger moins de viande, prendre position face à un fait de société, créer finalement cette chaîne YouTube. Pas de résolution, mais que des actions. J'ai très envie donc de te demander quelle sera ta petite action vers le changement aujourd'hui? J'ai initié ce jardin en un moment de grande crise mondiale, celle du Covid-19, en avril 2020. Plusieurs de mes plantes tombaient à l'eau sans que je ne puisse rien y faire. Se ronger les ongles ou faire preuve de résilience, telles étaient mes options. Il y aura des fruits pourris ou
pas de fruits du tout. Des épreuves, mais ce sont autant d'opportunités pour forger ton caractère et apprendre. Pense grand, mais commence petit. Ces fruits rangés, bien qu'une déception au départ, ont donné d'excellentes graines, une magnifique semence pour la prochaine saison. Une autre chance pour recommencer. Ce jardin m'enseigne beaucoup. Je vais essayer de résumer en trois mots ces enseignements. Premièrement, la patience. Tu ne verras pas toujours les résultats de tes actions dès le début. Tu pourrais être tenté de te décourager. Ne le fais pas, car tu pourrais manquer un panier plein de pommes de terre ou une calebasse pleine de gombo. Deuxièmement, la constance. Comme toute chose, les plantes ont un cycle de vie, un cycle de fonctionnement. Pour continuer à avoir des légumes frais tous les jours, il faut semer et entretenir tous les jours. Ce n'est pas un effort ponctuel. Troisièmement, la douceur. Je suis une personne assez, pressée, toujours sur mille actions, mais les minuscules graines d'artémisia m'ont imposé leur rythme. Repiquer les jeunes plantules d'artémisia demande une douceur que tu dois chercher au fond de toi pour espérer avoir un résultat. Je pense que les êtres humains sont un peu pareils. Il faut souvent user de douceur pour en tirer le meilleur. Maintenant, les gens du quartier, les amis, les passants viennent volontiers visiter ou s'arrêtent impressionnés devant ce jardin d'un autre genre, ici. Je leur fais le tour bien volontiers et je leur demande toujours, que dirais-tu de faire la même chose, ne serait-ce que sur 1 mètre carré chez toi? Je me propose de te donner les graines et plants gratuitement si tu te lances. Garde en esprit que les petites actions sont source de grands changements. Thank you.
Les têtes de tournesol sont la principale attraction de ce petit jardin parce qu'elles sont massives. Notre plus grosse tête fait plus de 25 cm de diamètre. C'est vraiment impressionnant. Celle-ci, par exemple, ploie sous le poids de son propre fruit, mais ne plie pas, résiste courageusement. C'est vraiment impressionnant de penser que d'une seule graine, sont nés plus d'une centaine de graines, et cela en 2 mois et demi seulement. La nature n'est-elle pas merveilleuse? Et en plus, ce plant en particulier nous a fait une autre surprise et a donné une seconde fleur. Alors, elle est vraiment minuscule, mais c'était une grosse surprise pour moi parce que je ne savais pas que le tournesol pouvait donner plus d'une fleur. Entre gombo, avocat, mangue, salade et feuilles en tout genre, tomates, quelques épis de maïs, haricots verts, nous avons récolté cette semaine près de 5 kg de fruits et légumes. Donc je le note dans mon petit cahier et on continue. Les tomates Costoluto Genovese sont prêtes et il est possible déjà de récolter des graines. Récupère-les dans un bocal et laisse-les fermenter 2 jours durant environ. Cela aide à se débarrasser du facteur qui empêche la germination des graines.
Après ce temps, rince-les sous un filet d'eau et mets-les à sécher à l'ombre. Conserve-les ensuite dans un sachet hermétique à l'abri de l'humidité. Et voilà, tu as des graines, des semences pour la prochaine saison. Thank you.